Yo les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on se retrouve concernant le dernier patch d'armes qu'il y a eu, donc la Bruen qui a été soi-disant nerf, la Hodger qui a été up et la Fall qui a été nerf. Et en l'occurrence ça profite à qui? Le nerf de la Fall à la Galil, étant donné que c'est l'arme, la deuxième arme qui fait le plus de dégâts, qui a le meilleur time to kill. Donc effectivement la Galil en sort très vainqueur suite au nerf de la Fall. D'ailleurs je vais vous proposer un énorme gameplay qui a été réalisé sur Twitch, que je joue tous les jours sur Twitch à partir de 10h jusqu'à 14h, donc venez pour voir du gros gameplay, vous allez voir tout ça en live, il y a une bonne ambiance et tout, donc n'hésitez pas à venir, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu parce qu'on va se retrouver pour une des games de lors de cette saison 5 qui aurait pu être la plus insane sur ma chaîne. Malheureusement, vous allez voir lors du gameplay qu'est-ce qui va se passer, mais c'est un très gros gameplay. 2000 likes en moins de 24h, tu connais l'objectif, défonce-moi cette barre de likes. Quand j'aurai le décor nécessaire pour mettre de la lumière derrière moi. Parce que sinon c'est moche. Vraiment sinon c'est très très moche les bros. Et surtout qu'après n'oubliez pas que je reprends les rediffs pour YouTube derrière, pour les vidéos. T'es déjà au top toi. Est-ce que je devrais être étonné? What? Ouais, c'est l'origine frérot. Wow, non mais t'es sérieux là? Ah t'es... Attends, t'as toutes tes classes et tu joues comme ça là? Ah ouais, ok, d'accord. Parfait. Ah mais en solo des fois il y a des mecs qui ils sont très étranges. Hein. Et t'as des mecs qui se prennent des turns. Il est quand même retourné au top, hein. Allez. T'as plus tes classes cette fois-ci, monsieur. Ah! Activision, je demandais. Il voulait pas mourir lui. Bien joué. Il y a encore du monde un peu partout là. C'est horrible comme arme. Ok. Ah vous avez dit, hein, le shoot aujourd'hui il est absolument pas présent pour le moment. On va essayer de faire un tir de feu croisé. Ok, il y a quelqu'un qui est retourné.
What? Pourquoi il n'a pas pris la, le premier C4? Parfait. Bon, on est à 10 kills, il en reste 80 hein, les bros. Hein. Ça va, c'est pas si dégueu que ça pour le moment. Tu sais quoi? J'ai mal jugé ta classe. Tu sais quoi? On va essayer. Ok, parfait. 12 kills. On s'en sort plutôt bien. Merci pour le... Mais si monsieur, mais si. Ah, il est en train de se casser, putain. Ah, quelqu'un qui tire à côté. Est-ce qu'on peut avoir une visu? Ah putain, elle est morte. Alors comme ça, on vole mes kills, monsieur. Ok. Il est vraiment dans les airs? Ouais, ouais, il est vraiment dans les airs. On va prendre ça. Et on y va. Ah, derrière moi. Allez, 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 allez. Mais qu'est-ce que tu me fais, le jeu? Normalement, je sais qu'il y aura pas plus de monde. Ah tiens, on va aller choper la prime. Hein.
Elle doit bientôt bouger en fait. Ok, 20 kills. Est-ce que je vais le chercher ou je l'attends? Je t'avoue que là je serais plus enclin à attendre. La zone elle bouge ou elle bouge pas là? Si si elle bouge. Ok. 21. Ok, on l'a vu. La fantôme. Parfait. 22. T'aurais pas quelque chose d'intéressant, genre un petit drone pour moi. Un truc du genre. Ouais, je sais pour le shoot. Mais par contre, je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas l'habitude de jouer avec, avec ce viseur là. Encore un mec ici. Je crois que c'est le même mec qu'on a buté avant en fait. Ou qui s'est fait buter avant. C'est au choix, c'est un des deux. Il y a encore un mec derrière. Non! T'es sérieux là? Non, t'es sérieux! Non, t'es sérieux! T'es sérieux! Comment tu joues là? Non! Oh non, j'ai même pas de bol. Oh non, j'ai même pas de bol. Je pouvais taper tranquille. Oh non, le seul mec en fantôme, le seul mec. Voilà, malheureusement, j'ai raté le 30 kills, mais j'aurais pu vraiment faire une game de psychopathe. La game était totalement insane. Et comme j'ai dit, en l'occurrence, la Fall a été nerf, et c'est la Galil qui va quand même en sortir plus puissante un peu qu'avant, même si la Fall reste un peu meilleure en termes de fusil d'assaut, on va pas se le cacher, mais la Galil permet de se sortir du lot, et en l'occurrence, c'est toujours quasiment la même classe. On va se retrouver donc avec le silencieux monolithique. Au niveau du canon, on va se retrouver avec le ZRK Zodiac, qui est vraiment insane comme canon avec la Galil. Au niveau de l'accessoire de canon, on va rester avec la poignée avant de mercenaire, tout simplement pour la précision du tir au jugé, qui est vraiment très très important. Au niveau des munitions, on se retrouve avec 45 cartes touche, et au niveau de la lunette, on va pas se retrouver avec le mini viseur reflex GI, on va se retrouver tout simplement avec la lunette VLK x3, mais vous pouvez jouer comme vous avez envie. Lors de ce gameplay là, c'était avec le VLK x3, et tout simplement, lorsque des fois j'ai envie de jouer avec le mini viseur reflex GI, bah je joue avec celui là c'est vraiment un des deux comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que là dessus c'est plutôt assez intéressant. Avant que vous quittiez la vidéo, et ça c'est super important, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là dessus sur le sniper, et j'ai changé en fait ma classe sniper.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé ma classe sniper et vous allez comprendre très vite pourquoi. Niveau silencieux monolithique, on va garder toujours la même chose. C'est, on va dire, un peu l'essentiel concernant le silencieux monolithique. Niveau du canon, on va rien mettre. Alors j'ai expliqué pourquoi, tout simplement que... En fait, il y a une vidéo qui est sortie très récemment dans la communauté américaine et en fait qui expliquait que, quoi qu'il arrive, et ça c'est totalement vrai, en termes de dégâts, le sniper, enfin l'AX et l'HDR, tu ne peux pas augmenter ses dégâts. Alors tu vas me dire, ouais mais LT, pourquoi mettre le silencieux monolithique alors ? Alors effectivement, le silencieux monolithique, je le garde pour le silencieux, mais ça ne sert à rien de mettre par exemple un silencieux léger parce que vous allez perdre de la portée des dégâts et ça c'est pas une bonne idée. Ou sinon on peut prendre le silencieux tactique, mais le problème c'est que je vais perdre de la visée accélérée et de la stabilité de visée en marchant. Ce que je m'en fous, donc autant si je dois mettre un silencieux, autant garder le silencieux monolithique. Ensuite, comme j'ai dit au niveau du canon, à partir de 200 mètres, en fait, vous allez toujours faire le même nombre de dégâts avec la X. Donc en fait, ça sert à rien de mettre un canon là-dessus. Vraiment, ça ne sert à rien, donc autant mettre autre chose. Mettre les munitions 7 balles, la poignée arrière, bah, on va mettre la pointillée, le viseur, on va garder au niveau du laser, et on va mettre au niveau de la crosse, on va mettre évidemment la Singrad Assassin, qui est toujours vraiment très utile. Donc voilà, j'ai vraiment tout fait en sorte pour avoir une visée accélérée et en même temps avoir une très bonne portée des dégâts. De toute façon, c'est toujours la même chose à ce niveau-là. Mais si vous voulez vraiment que j'en fasse une vidéo au niveau du sniper, j'en ferai parce que statistiquement, il y a eu pas mal d'améliorations, on va dire, par rapport à ça. Et je serais vraiment... très heureux de vous en faire une vidéo là-dessus. Voilà, c'était l'Octet tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit à très bientôt sur YouTube. Ciao ciao tout le monde.